Voilà. Alors, ce qui est gravé, je sais pas parler vite, mais drapeau doré. C'est un des rares occasions qu'on va pouvoir, donc on peut avoir les drapeaux dorés avec Peach, et ça, c'est quand même assez cool. On va pouvoir récupérer les drapeaux. Donc, ici, il y a plus d'étoiles, il faut les arrêter, et il faut éliminer tous les ennemis. Et c'est quand même assez cool. Donc là, il manque 4 minutes de vidéo, mais je peux faire m'arrêter là, vous voyez. Allez, salut tout le monde, c'est Ratisha et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de mon Let's Play 100% sur Super Mario 3D World. Donc j'espère que vous allez bien, pour ma part je suis vraiment super. Et écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de Super Mario 3D World. Et écoutez, on va continuer là où on s'était arrêté. Donc rappelez-vous, dans la précédente vidéo, on avait fait 3 niveaux au total, dont 2 niveaux vrais niveaux, 2 niveaux principaux et un mini niveau. Donc on en est très bien avancé. Et écoutez, on va continuer dans cet épisode. Je ne sais pas si on va terminer le monde dans cette vidéo, mais bon, on pourra envisager. On a au total 15 vies, on est mort aucune fois, on a déjà 10 étoiles vertes et 3 tampons, c'est quand même pas rien. Et écoutez, on va directement commencer avec Peach, comme d'habitude. Et écoutez, on va directement aller au prochain niveau. Donc le prochain niveau, ça sera, alors on va le faire dans l'ordre, j'espère que ça va pas me spoiler. 1-5, donc c'est celui-là du haut. Donc écoutez, 1-4, donc une éclaircie nommée Plessis. Donc on va commencer directement, on va enchaîner. Donc, alors une éclaircie nommée Plessis. Alors je crois que dans ce niveau il faut le faire deux fois parce que pour faire le 100%. Donc écoutez, c'est ce qu'on va faire. Donc voilà. Dans ce stage, vous chevauchez Plessis. Ajustez votre vitesse en poussant L vers le haut ou vers le bas ou en appuyant sur croix directionnelle haut-bas. Pour sauter, appuyez sur B ou sur 2. Si vous jouez à plusieurs, vous pouvez tourner plus rapidement ou sauter plus haut en entraînant simultanément la commande appropriée. Vous avez tout retenu? Alors c'est parti. Allez, c'est parti. Donc c'est pour ça que ça serait intéressant de jouer à plusieurs. Imaginez à 4, on va pouvoir aller à une hauteur démentielle. Et une vitesse démentielle aussi. Donc écoutez, on va directement... Voilà. Parfait. Donc c'est parti. Ouais, donc évidemment, là, il faut pas se louper. Hein, parce que là, c'est vraiment... donc on va aller une fois à droite et une fois à gauche après, parce que là c'est vraiment zéro erreur quoi. Et voilà, donc évidemment dans ce jeu il y aura également la petite liste des 8 pièces rouges à récupérer qui donnera un item, mais ça c'est quand même pas mal. Donc voilà, la petite vie des familles. Alors maintenant on va passer à gauche, vous avez vu à droite il y a le tampon, mais on va pas pouvoir le récupérer, donc il faudra attendre simplement d'avoir terminé le... D'accord. Il faudra attendre d'avoir terminé le niveau pour le récupérer. Donc là, première mort, donc évidemment ça sera compté dans, dans le nombre de morts, donc j'espère ne pas atteindre un nombre de morts hallucinant non plus, j'espère en tout cas. Donc ça sera ma première mort du jeu, hein, donc je mettrai à jour tout ça, ne vous inquiétez pas. Si... par malheur, j'oublie une mort, ben, rappelez-le-moi dans les commentaires et je la mettrai dans la prochaine vidéo. Mais vu que je re-regarde, enfin vu que je regarde entièrement l'épisode, ça m'étonnerait. C'est rare que j'oublie des choses. Donc voilà. Voilà quoi. Donc alors, par contre, le cadre de mort, je sais pas où vous le mettre. Donc je pense vous le mettre dans un endroit, par exemple, là où il y a, par exemple, comment ça s'appelle, merde. Comment il s'appelle, le logo du jeu, mais ça m'embête un peu, je sais pas où vous le placer. Donc j'essaierai de vous le placer à un endroit qui ne gêne pas trop. Et c'est parti. Yeah. Et écoutez, c'est parti. Ouais, on a bien visé pour attraper l'étoile. Donc on a récupéré toutes les étoiles, il ne manque que le tympan. Donc écoutez, c'est ce qu'on va faire, on va les récupérer. Donc c'est parti, c'est parti. Tac, ok, il n'y a rien du tout ici. On visite quand même, hein, ça veut rien. Certes, on est arrivé à la fin, on visite quand même, hein, ça veut rien dire. Moi j'adore explorer dans les jeux de base. Et ça permet d'aller dans des endroits que d'autres youtubeurs n'y vont pas et de vous faire découvrir pas mal de petites choses bien cachées. Donc, y a absolument rien ici. Il n'y a strictement rien ici. Il n'y a strictement rien. Oula, fail!
Allez, hop, c'est parti, on va entrer dans le niveau. Alors, ah, vous avez vu, il y a des petites pièces, des familles. Voilà, il y en a 4 et là, il y en a 6. Enfin, non, il y en a 8. Tac, 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 tac. Et là, on va pouvoir avoir le drapeau doré. Donc, c'est parti. Et c'est nickel. On a eu le drapeau doré. Donc, ça nous fait 10 000 points de plus. Et ça nous fait également un score pas dégueu. Et un stage terminé. Parfait. Donc, ce sera la dernière vidéo que je tournerai sur ce jeu. En tout cas, depuis un long temps. Parce que vu que je ne dois plus tourner de Mario pendant longtemps. Alors, vraiment, je vous dis, j'ai estimé vers... si j'arrive à poursuivre le montage que j'arrive à faire, je tournerai plus de vidéos pas avant décembre. Et sinon, sinon pas avant janvier. Hein. Donc voilà, là on peut directement aller au boss final, mais je vais pas y aller maintenant. Hein, je veux d'abord bien continuer le jeu. Donc sauvegarde effectuée, et on va récupérer cette fois-ci le tampon. Donc à la place de prendre le chemin de gauche, on va prendre le chemin de droite. Et écoutez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Donc ça nous fait déjà, on a déjà 92 pièces, c'est quand même pas dégueu. Donc on va pouvoir avoir une vie supplémentaire. Bien, ça nous a rentabilisé les vies, tout simplement. Vous avez vu, à chaque fois qu'on atteint en haut du drapeau, on gagne également une vie. C'est également ça a toujours été une référence à Mario Bros. Parce que les Mario Bros, une fois qu'on était. Qu'on atteignait en haut du drapeau, on gagnait obligatoirement une vie, même dans Mario 3D Land. Donc c'est une petite référence des familles qui fait toujours plaisir. Voilà. Je fais ça, c'est pour avoir la vie également. Parce que je préfère en avoir beaucoup de vie, parce que vu qu'on va peut-être beaucoup mourir plus tard, j'ai quand même envie de me faire un stock de vie beaucoup plus, enfin assez abusé pour le moment. Et en plus, les vies me seront très utiles. Donc là, cette fois-ci, il faudra pas me louper. Donc là, je vais y aller doucement. Parfait. Yes! C'est bon, parfait. Allez, hop! On y go! On y go, on y go! Allez, hop! Yeah! Ah merde, j'aimerais bien faire des points en fait. Voilà, 400 de plus. Et là, on va juste prendre ça. Comme ça, on va pouvoir bien atterrir au milieu. Et récupérer plein de petites pièces et de points. Donc là, on va tout récupérer. On va gagner du tout ici. Rien du tout ici, d'accord. Eh bien écoutez, on va directement aller donc dans le tuyau. Et donc finir le niveau. Donc on aura fini un niveau à 100%, enfin 100% entre guillemets, parce qu'évidemment il nous manquera de le faire avec tous les personnages. On aura récupéré donc tout. Donc ça nous fait 7 minutes 42, donc on a le temps, on a encore un petit peu de temps d'en faire un autre. Et on a récupéré notre tampon, c'est parfait avec Plessy. Vous avez vu, ça commence à s'améliorer, ça commence à prendre de la gueule, hein, ce petit tableau. Ah, alors, là-dessus, ça va être un truc très important. En fait, au cas où, ça va permettre d'avoir des vies à donf. Et c'est une sorte de loterie. Et en fait, la loterie, on peut avoir le jackpot très facilement. Frappez les blocs alignés au maximum d'images identiques à pocher jusqu'à 577 pièces. Vous obtenez une vie supplémentaire à chaque fois que vous accumulez 5 pièces. Tain. Ah merde. Ah merde. Ah, 100 pièces. J'ai mal visé. Bah on aura récupéré au moins pas mal de... On aura récupéré une vie. On peut en récupérer 7 au maximum, c'est quand même pas fou. Et même des fois 8, parce que dites-vous qu'on peut en récupérer donc 770 pièces. Et qui dit 770 pièces dit également, ça peut possibilité d'avoir 8 vies d'un coup d'affilée. Et c'est quand même officiel. Donc pour le 100%, c'est intéressant de s'y attarder. Donc écoutez, on va directement commencer le monde 1 sur 5, cirque au 100 clics. Et écoutez, on y entre, hein, on y entre. Alors de base, je déteste le cirque parce que je sais ce que c'est. Et je déteste le cirque, donc j'espère qu'il n'y aura pas d'animaux. Mais bon, dans les Mario, on traite des animaux. Donc vous avez eu un niveau également inspiré de Mario Galaxy parce que vraiment, ils se sont fait plaisir pour le Mario 3D World et les Mario 3D Land. Et également, c'est très inspiré du jeu Mario Galaxy avec. Donc il y a pas mal de grosses... Vraiment de grosses références. Vous voyez, on peut toucher, on peut toucher. Vraiment, ce jeu, on peut inter... Vous voyez, on peut le faire d'une façon à vous, comme une façon... pas à vous, on va dire ça comme ça, mais voilà. On peut vraiment le faire d'une plein d'autres façons. Vous avez vu, j'ai pu mettre toutes les cases jaunes. Donc, on va directement maintenant continuer à la suite. Voilà, passer à la suite. Voilà, donc ça serait bien d'avoir... Ah, dommage. Bon, on récupère, hein, ça fait pas de mal. Ça fait... 3, 3, hop, tac,
on monte. Hop, on monte. Vous avez vu, c'est un très beau jeu, hein, c'est un très beau jeu. On aura récupéré donc 0 étoile. Oh merde, il y aura 0 étoile. Ça commence à m'inquiéter. Donc écoutez, c'est parti. Donc là, vous allez voir les petits sauts muraux. Et pour obtenir la première étoile du jeu. Alors ça c'est énorme parce que dans ce jeu également vous apprenez des techniques que Mario vraiment utilise à son plein gré. Et que maintenant même Peach peut utiliser. Chacun des personnages a également une caractéristique. Par exemple Peach peut flotter dans les airs. Mario, il peut, je sais plus ce qu'il peut faire, mais en tout cas il peut faire un truc. Luigi, il peut aller haut. Toad, il peut aller plus vite. Et en cas où dans le jeu plus tard il y aura un personnage débloquable. Et grâce à ce personnage, on va pouvoir avoir un vraiment, on va dire un genre de petit, on va dire un double saut. Un double saut. Donc c'est intéressant à savoir. Et voilà, donc on a récupéré enfin ça. Par contre, il n'y a pas d'étoile ici. D'accord, j'aurais cru. Alors, on va directement aller en haut. Merde. Voilà. Hop, on va récupérer les petites pièces rouges. Donc évidemment il y a un temps limité hein. Il y a un temps limité donc on va directement tous les récupérer. Et voilà la petite fleur. En plus on fait un score assez potable. Allez voilà. Hop, la petite pièce que je prends en main. Et la petite boîte à mystère. Donc là il faut réussir à obtenir l'étoile. Je sais pas, elle est là, parfait. Donc écoutez, on va directement continuer, hein. On va directement continuer. Donc il manque une étoile plus le... The fuck? Je sais même pas ce que j'ai fait. Oh putain, merde. Ah. Et là évidemment on recommence ici. On a même plus une étoile. Oh merde. Oh la haine. En fait c'est un peu galère ça. Hop. Hop. Aïe, putain de merde. En fait, je regarde le gamepad au lieu de regarder le jeu. Putain, dégage. Ah, merde. Oh là là. Bon. Voilà, ça comme ça. Ça comme ça, ça comme ça. Alors, je sais pas combien d'épisodes on va pouvoir terminer le jeu à 100%. J'estime vraiment entre 100 vidéos. Ouais, 100 vidéos, j'estime. Parce que je trouve que le jeu, vu qu'on doit le recommencer avec tous les personnages et tout, et vu que c'est du full solo, ben, ça va être plus long. Donc j'estime que vraiment ça va être un 100% avec plus de 100 vidéos, je pense, et ça suffira. Enfin, je pense que je le terminerai le jeu quand même. Donc là, maintenant on rentre dans le truc. Voilà, on récupère la petite fleur et la petite étoile. Ah, ça me fait chier parce qu'également on perd tous nos points, donc c'est ça qui me fait un peu chier aussi. Enfin, je crois qu'on perd tous nos points en tout cas. On va récupérer les petites pièces. Oh, j'avais oublié qu'il y avait des pièces ici. Il n'y a rien du tout. Je me suis dit peut-être qu'il y aurait une petite vie ou quoi que ce soit, mais pas du tout. Et voilà, comme ça. Comme ça. Comme ça. Et cette fois-ci, on va pas se foirer. Nickel. Nickel. Alors, le Kamek, je veux pas. Oh, yes, je l'ai eu. Ah, dommage pour la pièce, mais bon, je l'ai eu au moins. Donc là, on va faire tout le tour. Et là, on va attendre. Oh, bah, tenez, on peut les actionner comme ça. Voilà, parfait. Comme ça, on galère plus autant et on va pouvoir récupérer la dernière étoile du niveau. Parfait. Et écoutez, on est parti pour le tampon. Le tampon, je sais toujours pas où il est. Ah, on le voit d'ici, c'est parfait. Donc, écoutez, on va récupérer le petit tampon. Et en plus, il y a le drapeau, il y a la fin du niveau. C'est ça qui est pas mal. Et voilà, le petit tampon récupéré et la fin du niveau est enfin terminée. La petite rime est... Ah merde, j'attends. La petite rime est un peu fait exprès. Hein. En fait, mon chat, il dort là-dessous. Il respire au moins. Je veux pas dire, mais rien quoi. Il dort limite couvé quoi. Donc on a 5 minutes devant vous, on a 84 minutes 30. Donc 5 minutes 30, pardon. Donc on a le temps, on peut faire un tout dernier niveau et puis avant de se laisser. Donc on va aller directement aller voir. Bah tenez, ça vient d'effectuer. On va directement aller voir ce que c'est là.
Donc je sais, mais je vous laisse la surprise. Le Captain Toad part à l'aventure et au cas où, il y a un jeu avec ce mini-jeu. Donc en fait, c'est que des plateaux avec ce mini-jeu. Le Captain Toad part à l'aventure, il y a un jeu qui est sorti parce que les fans l'ont réclamé. Et c'est Captain Toad Treasure Tracker, un jeu qui quand même a fait acheter. Hein. Il s'est fait bien connaître à ses débuts. Et voilà, donc Captain Toad, chasseur d'étoiles vertes, part à l'aventure. Guidez-le dans sa quête pour retrouver les 5 étoiles vertes. Trouvez les 5 sans quoi vous n'en trouverez aucune. Vous pouvez changer d'angle de vue à loisir en utilisant le stick droit, enfin en utilisant le stick R ou en inclinant le gamepad. Et pour finir, un léger détail, le Captain Toad ne peut pas sauter, alors prenez garde. Et donc vous avez vu, c'est vraiment des niveaux que j'estime très bien. Donc j'ai pas envie de... Comment je vais pouvoir faire? On va essayer de déplacer la caméra comme ça. Donc vous avez vu, c'est stylé ce genre de niveau, c'est marrant, c'est mignon aussi. Donc c'est quand même très stylé. Donc là j'ai récupéré la première étoile. Donc il peut pas sauter, hein. Comme vous avez vu, j'essaie de sauter, il peut pas. Donc il faut récupérer les 5 étoiles pour terminer le niveau. Donc là on aura la deuxième étoile. J'espère n'avoir pas oublié sur le chemin par contre, parce que ça me ferait chier. Ok, donc on va passer par là. Ah, alors en entrant ici, nous avons la troisième. Alors évidemment, il sera de plus en plus dur. Hein. Là, c'est juste parce que c'est un tuto. Mais dites-vous que dans le jeu, bientôt, ça sera fourbe. Ici, il faut souffler. Donc là, pour vous, je pense que vous avez pété les oreilles. Voilà. Yes! Et on peut passer tranquillement. Alors, Captain Treasure Tracker, je vous le ferai si je vous fais un Zelda. En gros, par exemple, s'il y a un Zelda qui sort, stage terminé, ou si je vous fais un Zelda, je vous ferai le jeu, bien entendu. Enfin, en tout cas, il faudra remplacer ça par Mario, de toute façon. Il faut qu'il y ait un Mario Odyssey avec The Legend of Zelda Skyward Sword. Donc, si je vais par exemple Ocarina of Time, je vais faire le Captain Toad Treasure Tracker. Quand vous avez joué, et à 100% bien entendu, quand vous jouez en solo, vous pouvez utiliser le stick droit. Pour changer d'angle de vue. Dans les autres stages également, vous deviez essayer. Enfin, vous devriez y essayer. Et voilà, les amis. Donc, j'espère que cette vidéo, les amis, vous aura plu. Donc, on aura fait pas mal de niveaux. Dites-vous qu'on aura fait 1, 2, 3 niveaux dans l'épisode. C'est quand même pas rien. On se retrouve dans Trade pour de prochaines vidéos. Merci de l'avoir regardé. Et on va se laisser devant. Et on se retrouve dans Trade pour de prochaines vidéos. Merci de l'avoir regardé. Dans la prochaine vidéo, on terminera donc le monde 1, donc à 100%, 50%. Et s'il nous reste du temps, ben on fera le niveau prochain. Et puis écoutez, on se dit très vite pour de prochaines vidéos. C'était Rintéchaï. Oh yes! Allez, bye tout le monde!